Salut, aujourd'hui on va parler comment choisir son smartphone, un petit peu dans la trempe de ma vidéo sur comment choisir son ordinateur portable, et je pense que je vous ferai tôt ou tard comment choisir son ordinateur fixe, bien que le sujet soit encore plus difficile à traiter. Je m'adresse pas aux gens qui vont aller acheter le dernier de chez Samsung ou le dernier de chez Apple avec un iPhone XS en 512 qui dépasse largement les 1 600 €. Je m'adresse aux gens qui ont envie de choisir des caractères purement objectifs pour aller choisir leur smartphone et qui ne vont pas uniquement se focus sur l'image de marque et d'aller acheter le dernier de telle marque ou le dernier de telle marque. Mais on va voir les différents critères qui peuvent vous faire aller vers tel ou tel modèle, et on va pas privilégier telle marque ou telle marque, sachant que il y a certaines années où une marque vous fait un truc super bien et certaines années qui des fois d'ailleurs est la même année mais en fin d'année, une marque vous fait un modèle super pourri. Déjà parce qu'il y a différentes gammes de smartphones, on a du bas de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme, et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Actuellement, on peut avoir d'excellents smartphones pour 250-300 €, voire même moins, mais ça vous empêche pas de mettre un petit peu plus. Après, je vais clairement pas m'adresser à ceux qui de toute façon veulent mettre 900 ou 1500 balles pour avoir grosso modo la même chose que ce que vous aurez à 400-500 €. Ici, on va voir ce qui est dans le rapport qualité-prix, ou en tout cas, je vais essayer de vous donner les armes ou les différents critères sur lesquels aller évaluer pourquoi vous iriez payer 900 à 1 600 € dans un smartphone alors que vous aurez quelque chose de très bien à 400-500 €. Alors premièrement, si je veux pas focuser le prix que je vais garder en dernier finalement, moi le premier choix ça va être la taille de l'écran. Alors bien qu'Apple il y a quelques années vous ait fait l'espèce de pub, vous savez, où ils vous expliquaient que c'était bien que le pouce puisse aller jusqu'en haut de l'écran, on va pas se mentir qu'en 2018 tout le monde a assimilé le fait, sauf certains, que plus l'écran il est grand, mieux c'est, tant que ça rentre dans la poche. Maintenant qu'Apple vous a sorti un 6,5 pouces pour un iPhone XS et que Android dépasse allègrement les 6 pouces avec, on pousse un maximum les bordures en haut et en bas avec l'histoire de la bordure en haut qu'on appelle la notch, la petite encoche sur laquelle je vais pas m'étendre dans cette vidéo. C'est vraiment avec ça qu'on va vraiment choisir le smartphone en premier lieu. Quelle est la taille de l'écran. Quelqu'un qui n'a pas encore fait la bascule vers le grand écran, il va pas se diriger directement vers le 6 pouces. Il va lui falloir, on va dire, des modèles intermédiaires autour de 5,5 borderless pour lui faire passer la pilule. Et puis, il découvrira 2 ans, 3 ans plus tard ou peut-être 6 mois après, quand il rechangera de téléphone, que finalement, le 6 pouces amène un confort qu'on n'a pas lorsqu'on passe à 5 ou 5,5, ou certains qui sont encore avec un pauvre iPhone 5C plastique n'ont pas encore découvert la joie du grand écran, et au final, ils ne s'en passeront plus jamais. Au bout de quelques jours, je sais que j'ai quelques rageux défenseurs de l'écran 4 pouces qui viendront dans les commentaires. Messieurs, mesdames, si l'écran petit avait un avenir commercial, croyez bien qu'Apple aurait renouvelé son iPhone 5C ainsi que Samsung avec sa gamme Galaxy S Mini à l'époque du Galaxy S3 ou Galaxy S4 jusqu'au Galaxy S5 d'ailleurs, mais à partir du 6, il n'y a pas eu de modèle mini, tout simplement parce qu'une fois que vous avez découvert le confort d'un grand écran, eh bien vous ne reviendrez pas en arrière. On pourrait s'arrêter bien évidemment à la qualité de cet écran, la résolution, qu'il faut appeler définition si on veut être puriste, mais allez, on va rester grand public. On s'arrête au Full HD, Full HD+, on a arrêté le petit délire d'aller vers de la 4K ou du QHD parce que ça tire sur l'autonomie et ça n'apporte absolument rien à l'œil humain. La qualité de l'écran au niveau technologique, c'est-à-dire le fameux écran OLED que Apple vous en a fait des 1000 et des 100 pour l'avoir intégré l'année dernière avec son iPhone X, pour finalement cette année vous expliquer que à 800 € ils vous le mettraient pas et qu'on vous mettrait un écran LCD qu'ils ont rebaptisé Liquid Retina, donc ça passe hein, avec un petit peu de vaseline à 800 €. Vous avez bien évidemment des écrans OLED sur du milieu de gamme, milieu haut de gamme Android autour de 400-500 €. Vous allez retrouver des écrans OLED avec des noirs plus profonds, des couleurs qui pepsent beaucoup plus, une consommation diminuée sur l'autonomie. Bref, si vous avez les moyens de vous diriger vers un écran OLED, foncez. Il n'y a pas photo, c'est pas pour rien que tout ce qui est montre connectée ou même les phares sur certaines voitures haut de gamme vont sur l'OLED. L'OLED, ça peps. Allez voir les télé OLED au rayon télé haut de gamme dans les magasins. Un téléphone à écran OLED, ce qui est bien évidemment plus simple sur le côté Android, foncez.
Ne focussez pas uniquement la taille de l'écran, mais allez voir surtout le ratio occupation en pourcentage de l'écran. Alors cette phrase était super longue, alors qu'en fait c'est super simple. Alors on va voir ça tout de suite sur l'écran. C'est que vous vous rendez, comme sur la vieille vidéo que j'avais fait l'an dernier sur le site, je suis désolé, il est en anglais, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc phonearena.com, sur phonearena.com, vous allez ici sur la rubrique phone et vous allez ici sur comparer les size compare, voilà, les tailles de smartphone. Et vous allez voir qu'ici, ils vous ont déjà mis par exemple le Galaxy Note 9 ou le XS Max de chez Apple. On pourrait aller rajouter n'importe quoi, allez, un OnePlus 6, puisque bien évidemment c'est celui que j'ai, donc je vais pas pouvoir m'empêcher d'en parler. Et vous allez voir ici, donc sur l'écran, que vous allez les différentes tailles posées les uns sur les autres, y compris de profil. Donc quand quelqu'un va vous dire qu'un Galaxy Note c'est absolument trop grand pour rentrer dans la poche, et bien là concrètement vous allez pouvoir voir sur l'écran est-ce qu'il est vraiment si grand que ça par rapport à un tout petit téléphone. On pourrait aller chercher l'iPhone 5C qui va être bien évidemment là ridiculement petit, ou qu'est-ce qu'on aurait en 5,5 pouces un LG G3, allez c'est vieux mais c'est ce qui me vient à l'esprit, voilà, un 5,5 pouces d'il y a quelques années avec des bonnes grosses bordures, vous voyez que ça donne ça. Au niveau largeur on est à l'identique, au niveau hauteur on a pris un petit peu plus de hauteur actuellement avec le ratio en 18/9 qu'on retrouve chez les constructeurs, mais ça rentre parfaitement dans la poche. Si je vous rajoute l'iPhone 6 Plus qui a été le premier à grand écran chez Apple, alors je vais virer les autres, on va virer le OnePlus, on va virer le 5C, vous voyez que un 6 Plus qui n'a un écran que de 5,5 pouces si je vous dis pas de bêtises, et de toute façon vous avez ici un bouton pour voir les caractéristiques et les comparer. Donc là, typiquement, si je clique donc sur voir les caractéristiques en haut à droite et que je mets un iPhone 6 Plus par rapport à un XS de cette année ou un Galaxy Note 9, vous voyez qu'au niveau des tailles, eh bien, un iPhone 6 Plus ne faisait que 5,5 pouces, là où un XS peut monter jusqu'à 6,5 pouces pour le modèle Max. Et pourtant, vous avez vu tout à l'heure, quand on a posé l'un au-dessus de l'autre, on n'a pas une différence conséquente dans la poche. Eh bien, tout ça est dû à cette caractéristique qui est donc le pourcentage d'occupation de l'écran sur la surface. On peut voir qu'il n'était uniquement de 67,9% pour un vieil iPhone 6 Plus, là où on atteint de l'ordre de 83-84%, vous le voyez, pour les deux hauts de gamme de chez Samsung et Apple. Et je suis à peu près sûr que chez Xiaomi ou chez Oppo, dans leur dernier modèle, on pousse encore ce pourcentage à 85-86, voire même 90% à mon avis, pour ceux qui ont une toute petite encoche en haut. Allez, on va essayer, on va taper donc le Find X et vous le voyez justement, nous sommes à 87%. Voilà, je pouvais pas laisser Apple terminer premier même sur un tableau comparatif, ce serait contraire à ma religion smartphonique. Allez, on va enchaîner sur d'autres caractéristiques intéressantes. La puissance générale du smartphone, alors elle va finalement pas intéresser tout le monde, avoir le dernier processeur Snapdragon 845, le dernier processeur Kirin de chez Huawei ou le dernier A12 de chez iPhone. Honnêtement, les smartphones milieu ou haut de gamme rament quand même quasiment jamais. Ça va être vraiment si vous lancez des gros jeux 3D extrêmement gourmands, ce qui ne concerne vraiment pas tout le monde. Aujourd'hui, pour la puissance photo et vidéo, ils sont largement suffisants à faire des modes rafale conséquents, à gérer de la 4K à 30 voire 60 images secondes avec de la stabilité. Donc, est-ce qu'on a besoin de dépasser les 4, 6, 8 gigas de RAM, les 4 ou 6 cœurs dans un smartphone pour finalement faire des petites applications de communication et prendre des photos ou faire de la vidéo, ou en tout cas avoir un usage basique d'un smartphone? Je suis pas sûr. Et finalement, je pense que la proportion de personnes qui va aller voir vraiment les specs hardware du bon gros geek, qui va aller voir le nombre de cœurs et le nombre de gigas de RAM à l'intérieur de son smartphone, est très très faible. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on pourrait en faire des vidéos dédiées. Vous avez des lives sur des chaînes spécifiques. Allez voir chez Vito ou chez Technoid qui peuvent vous faire une vidéo de 30 minutes sur les specs d'un smartphone, qu'il soit à 50 euros ou à 400 euros. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo.
On va passer au capteur photo qui malheureusement fait généralement les 50% du test d'un smartphone. Encore une fois, un capteur photo milieu de gamme à haut de gamme, il va y avoir très peu de différence. En tout cas, quand tu te sers comme une merde de ton appareil photo, c'est-à-dire que tu bouges, que tu fais un éclairage pourri, que tu fais des photos selfie en soirée en tremblant avec un éclairage qui est en contre-jour, il va mieux falloir apprendre à cadrer, prendre ton temps, réfléchir à ta photo. Alors tu vas me dire, on peut pas toujours, hein, quand c'est un chaton en train de bouger ou ton môme qui fait coucou et que c'est trop mignon, on peut pas toujours réfléchir au cadrage de la photo. Mais à partir du moment où tu as un smartphone haut de gamme, aller changer vers le haut de gamme de cette année ne va pas rendre ta photo plus belle. Tu peux te diriger vers des logiciels de retouche comme Snapseed ou aller vers des filtres manuels Instagram, et j'insiste sur manuel parce que les filtres automatiques sont sérieusement dégueulasses. Et en tout cas, pour des photos de nourriture par exemple, ou des photos animalières, des photos avec de la végétation pour donner du peps à tes couleurs, pour faire booster tes contrastes, c'est plutôt la retouche de tes photos qui finalement prend pas beaucoup de temps avec expérience qui va vraiment t'apporter une plus-value sur tes photos. Arrêtez de les faire en contre-jour, arrêtez de trembler et arrêtez de penser qu'avec un capteur selfie en basse luminosité avec la lumière jaune de chez Grand Mamie, tu vas avoir des magnifiques photos. On pourrait s'attarder sur la taille d'un capteur photo pour ceux qui pensent qu'ils vont remplacer un réflexe ou un hybride avec une taille de capteur de smartphone. Je t'incruste la taille. Tu peux voir qu'ici en bleu, c'est à peu près la taille d'un capteur de smartphone, et ici en vert, un capteur qu'on appelle plein format full frame de réflexe. Si tu imagines qu'on peut prendre autant de lumière avec ton petit trou derrière ton smartphone, même si maintenant sur des modèles comme le P20 Pro ou le futur Mate 20 Pro, tu en as 3, sur le futur Nokia, tu vas en avoir 5, tu n'auras pas la taille d'un capteur grand comme ça que tu peux voir derrière un objectif de réflexe ou du GH5 qui est en train de te filmer. Tu n'auras jamais un beau flou d'arrière-plan comme ça. Le flou d'arrière-plan avec les smartphones n'est pas fait par le fait qu'il y ait plusieurs capteurs, il est purement logiciel, et c'est pour ça que tu as souvent des défauts dans les petits trous des cheveux ou à l'intérieur des broches de lunettes. Tu n'auras jamais ce dégradé de flou aussi élégant et aussi artistique que tu peux avoir sur un magnifique hybride ou un capteur full frame. Les fonctions vidéo, il y a des gens qui font que des photos, il y a des gens qui font que de la vidéo, il y a des gens qui font les deux. Les fonctions vidéo, ça a son importance. Parce que une fois que tu as goûté, tu verras au ralenti ou vraiment à la 4K. Alors tu vas me dire que ça sert à rien de filmer en 4K, et là je t'incite à aller voir la vidéo de Naotech sur pourquoi filmer en 4K. Je pense qu'elle a déjà un ou deux ans cette vidéo, et elle était déjà très juste, et elle est encore plus juste en 2018. Même si tu n'as rien pour visualiser de la 4K chez toi, filme en 4K si tu peux filmer en 4K pour plein de raisons. Enfin, va voir la vidéo, on va pas s'attarder là-dessus, mais tu vas aussi avoir accès à des hautes fréquences de captation, c'est-à-dire du méga slow motion, tu peux le marketer comme tu veux, faire du 120 images secondes ou du 240 images secondes, ça fait des trucs super sympas pour faire des ralentis, pour faire des ralentis sportifs, quand tu marques un panier de basket, quand tu fais un saut à vélo, quand il y a quelqu'un qui saute au bord d'une piscine ou quelque chose comme ça, ça fait des trucs vraiment super sympas. Voilà, ça peut être vraiment des critères de choix sur un smartphone, les fonctions vidéo ainsi que la stabilisation, parce que tu as des gens qui ont tendance à la tremblote. Alors avec une véritable tremblote, la stabilisation elle t'aidera pas beaucoup, mais ça va quand même donner du calme à ta vidéo. Si tu peux pas te permettre une post-production de ce que tu as capté avec ton smartphone pour calmer cette petite tremblote, voilà, un smartphone qui filme de manière stabilisée va donner un résultat beaucoup plus agréable à regarder qu'un smartphone qui ne l'a pas. Le capteur avant, qui pour moi n'était pas un critère, j'en avais rien à taper des selfies comme beaucoup de monde, eh bien pour moi c'est devenu un véritable critère. Ce sera en tout cas le critère de mon futur smartphone. Parce que clairement, le capteur avant n'est pas au rendez-vous. Ils ont tout misé sur les capteurs arrière. Ils ont arrêté la guerre aux mégapixels. Tu noteras que les derniers smartphones haut de gamme s'arrêtent à 12, 14, 16 mégapixels, mais on a arrêté la course à dépasser les 20. Tu intégreras que la 4K, toi tout à l'heure qui m'aurait dit ça ne sert à rien de filmer en 4K, 4K et 8 mégapixels en photo, on est sur la même chose, tu vois. 8 mégapixels, ça te fait pas rêver. Si je te vends un smartphone haut de gamme à 8 mégapixels, tu vas me le jeter sur la gueule. La 4K,
tu es sur 8 mégapixels avec un certain nombre d'images par seconde, tu vois. Donc, le capteur avant, je m'en fous qu'il fasse plus de mégapixels. Par contre, la qualité du capteur et surtout les images que tu vas faire en basse luminosité, et souvent les selfies, c'est quelque chose qu'on va plutôt faire en soirée parce que tu es content de retrouver un groupe d'amis, parce que tu es à un certain endroit où tu te retrouves pas d'habitude et tu as envie d'être sur la photo, eh bien, tu vas avoir une photo de la bouillie de pixels, tout simplement. Tu vas être limite obligé de ressembler à un touriste japonais à t'acheter une perche à selfie équipée d'un miroir. Moi-même, j'ai acheté ça, tu vois, pour utiliser mon capteur arrière et non pas mon capteur avant pour faire de la selfie qualitative. Parce que quand tu commences à brander ta propre personne, ce qui est le cas un petit peu quand tu es youtubeur, bah, tu as besoin d'être sur la photo. Et ça me fait mal de voir vraiment la qualité pourrie qu'on a sur les capteurs selfie. En tout cas, le OnePlus 6 a vraiment un capteur dégueulasse. Et là-dessus, il faut rendre à César ce qui est à César. Il n'y a pas photo. Le capteur de l'iPhone X faisait beaucoup mieux en frontal et je pense que l'iPhone XS doit faire tout autant, voire mieux en frontal. Je ne sais pas s'ils ont insisté là-dessus lors de la keynote parce que j'avais grandement autre chose à faire que la regarder. L'autonomie des smartphones est quelque chose qui nous touche tous. Là, malheureusement, eh bien, c'est pas compliqué. Ils sont à peu près tous pourris. Si tu fais la course à la finesse de ton smartphone, bien clairement, tu ne finiras pas la soirée. Il n'y a pas de technologie miracle dans les smartphones. Si tu as un smartphone tout fin, il aura assez peu de batterie. Si tu as un smartphone assez gros et tu as heureusement quelques modèles orientés max, alors je parle pas de l'iPhone XS Max ici, mais tu as Asus comme ça qui fait des modèles Zenfone Max. Tu avais Motorola qui faisait aussi des modèles max à une époque avec 4000 mAh, 5000 mAh. On a des modèles chinois qui font 6000 mAh. Alors ça fait pas tout la capacité de la batterie, mais clairement plus la batterie est grosse, plus on peut s'attendre à ce que le smartphone tienne largement sa journée, voire une journée et demie ou deux jours si tu es vraiment quelqu'un qui l'allume assez peu, qui fait pas de Bluetooth, de GPS et 15 applications en même temps, plus de la visualisation de YouTube dans tous les sens. Moi clairement, je sais que quel que soit le smartphone que j'ai, j'aurai du mal à faire la journée entière si je dois sortir le soir. Une journée où je rentre chez moi à 20h et où je touche plus au smartphone, il n'y a pas de problème, mais je ressortirai pas en soirée avec une utilisation intensive. Et donc clairement, on va avoir besoin de la batterie externe et là-dessus, je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet.